Nice au Salon du Maroc à Bruxelles pour Diana TV. Bonjour, vous représentez ici les jardins d'Azila, vous pouvez nous en parler? Oui, bien sûr, c'est un projet belgo-marocain déjà, puisque je suis belge, marocaine, et que c'est un projet qui a vu le jour en 2008 avec l'inauguration avec le ministre des Affaires étrangères et Isabelle Durand, puisque c'est un projet sous le thème de l'écologie et la construction durable. Et voilà, maintenant on a fini la première tranche, la deuxième. C'est une résidence fermée, construite avec tout ce qui est comme thème la construction durable. Et puis beaucoup de jardins, espaces verts, des techniques appropriées, éclairage photovoltaïque sur tout le projet, puisque le soleil n'envoie pas de facture, et c'est sympa. Donc voilà, en gros, il y a des villas, des appartements, et la principale clientèle, ce sont nos confrères, les Marocains, les compatriotes, les Belges, les Français, franco-marocains, franco-belges, etc. Donc c'est bien, c'est mélangé. Satisfaite de ce salon ? Je pense que je suis personnellement satisfaite dans la mesure où on nous connaît, on vient nous voir pour de bouche à oreille. Le seul petit problème, c'est que comme c'est le troisième salon pour nous, les gens sont fatigués. Et comme on est à l'approche de l'été, les gens ont la tête ailleurs. Et puis on a eu le beau temps qui était en notre défaveur. Donc ils ont préféré se balader la campagne ou les brocantes dans les quartiers. Mais autrement, je suis satisfaite, oui. Ça va. Taïba Travel participe au Salon du Maroc pour la première fois. Vous pouvez nous parler de Taïba Travel? Oui, donc Taïba Travel est une agence qui est spécialisée sur le Hajj et l'Umrah. Donc c'est la première fois que nous participons ici. Ce qu'on essaie de démontrer, c'est que nous faisons un produit assez correct, propre, transparent. Donc par rapport à tout ce qui peut se faire sur le marché, dans ce domaine-là, donc dans le domaine de l'Hajj et l'Umrah, comme nous connaissons. Donc malheureusement, il y a parfois, des incohérences qui arrivent, et Taïba Travel essaie d'être le plus direct, le plus transparent vis-à-vis du client. Ce que nous promettons, nous le faisons. Donc nous assistons les personnes de A à Z pour pouvoir accomplir leur pèlerinage ou leur Umrah aussi correctement que possible. Donc vous nous assurez que si une personne veut organiser un pèlerinage à la Mecque, vous prenez en charge de A à Z et vous vous occupez de toutes les démarches? Tout à fait. Donc nous occupons donc de A à Z, c'est-à-dire du billet d'avion, du visa, de tout ce qu'il en est par rapport aux réservations, ainsi qu'un accompagnement religieux. Un imam est mis à disposition de ces personnes-là pour pouvoir leur montrer le avant, le pendant et le après pour pouvoir accomplir leur Umrah. Donc tout le monde malheureusement ne connaît pas un peu toutes les choses qu'il faut faire, et le imam il est là pour pouvoir l'accomplir. Notre but, c'est pas tout simplement de vendre l'Umrah, c'est que les personnes puissent l'accomplir aussi correctement que possible. Et ça, c'est avec l'assistance donc de notre imam qui les accompagne, nos chefs de groupe les accompagnent également pour pouvoir les gérer là-bas et pour pouvoir les guider et les amener à tout endroit qu'il faut faire et visiter. Et tous ces services que vous proposez en plus, est-ce qu'il y a les prix sont démocratiques? Est-ce qu'il faut payer davantage ou c'est pareil, c'est le même prix que pour les autres agences? Non, l'optique de Taïba Travel, son objectif c'est de travailler d'office avec des hôtels de 5 étoiles. On veut taper donc le haut, et quand on tape le haut, tout le reste vient avec également. Donc ce n'est pas un plus le fait de devoir accompagner ces gens-là. À partir du moment où vous faites du VIP, le mot veut tout dire. Donc vous suivez les gens de A à Z et le service doit être aussi correct. Que ce soit en transport, que ce soit en accompagnement, que ce soit en logement, que ce soit en tout. Monsieur Mejbal de Miatridik, vous êtes présent à la 7e édition de ce salon marocain. Vous avez toujours soutenu ce salon? Bonjour d'abord, merci d'Inia TV. J'ai toujours soutenu ce salon. Pourquoi? Parce que c'est de mon devoir d'être présent. Au fait, le titre, ou plutôt l'intitulé, c'est « Le Maroc chez vous ».
Bon, comme vous savez que nous sommes le spécialiste du thé, en tout cas en partie, de produits ethniques et en même temps de thé qui s'appelle thé borza, il était de notre devoir, puisque le Marocain est connu sous la forme soit couscous, soit le thé. Donc, comme on représente les deux, on est là avec le couscous d'Ari, le thé borza. Donc, la 7e édition, on était obligé, bien que tardif, parce que bien c'est le mois de juin, à la veille de Ramadan, les examens, je ne vais pas faire de la publicité à Roland-Garros et tout ce qui s'ensuit, mais quand même notre présence était nécessaire et on est là. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, le ministre de l'Artisanat était présent et je pense que vous avez rencontré également hier le ministre de la Jeunesse et des Sports. À quelle occasion ? Eh ben, c'était une très très bonne occasion, il est venu nous voir, ça nous a fait plaisir. Au moins il y a des ministres qui s'intéressent un petit peu à l'immigration, l'autre côté de la Méditerranée. C'est un jeune. L'avantage que nous avons avec ce monsieur, avec ce ministre, c'est qu'il est un footballeur, il adore le football. Et nous avons parlé surtout de le 50e anniversaire de l'immigration. Qu'est-ce qu'on pourrait apporter? Qu'est-ce que le Maroc peut nous apporter? Qu'est-ce que nous on peut apporter? Et on est en train d'étudier une formule, de voir un tournoi, peut-être win-win, un tournoi au Maroc et un tournoi en Belgique, soit en futsal. Comme tu sais, j'ai une équipe en première nationale de futsal. Et ils ont rencontré le ministre, ils étaient très contents. D'ailleurs, c'est tous les jeunes, parce que les grands, ils étaient en plein boulot ou en plein entraînement. Donc, il a rencontré les jeunes, c'est 200 jeunes. Est-ce qu'on va faire un tournoi avec ces petits, ces moyens, ces grands, avec les Marocains du Maroc et les Marocains de Belgique? Et l'idée n'est pas mauvaise. Le ministre, là, il a pris la balle au rebond. Il va nous répondre bientôt pour voir qu'est-ce qu'il peut nous apporter, qu'est-ce que nous, on peut lui apporter aussi. Alors je vois que vous avez apporté votre nouvel emballage, le chat est parmi nous aujourd'hui aussi. Voilà, ça, on ne doit pas manquer une occasion comme ça. Comme vous savez, il n'y a pas longtemps, le 27 avril, on a fêté nos 25e année, 25 ans d'anniversaire de la société Mia Trading. Et on a demandé à Philippe Gluck, un vrai Belge comme nous, de nous faire un collector. Il nous a fait le chat. D'ailleurs, c'est extraordinaire, vous voyez l'ancienne image, c'est moi et maintenant c'est le chat. Mais c'est pour une... Je rassure nos confrères marocains, en tout cas nos amis marocains, nos consommateurs marocains, que c'est juste, c'est limité, c'est 30 000 boîtes, et puis ils vont revoir de nouveau ma tête ou le borza comme d'habitude. Ils ne doivent pas être effrayés. هذه مرة الأولى اللي حضرتوا في هذا السالون وكيف جازوا هذه الثلاث أيام مع المغاربة ديالنا؟ هذه هي المرة الأولى وما غتكونش المرة الأخرى إن شاء الله والحمد لله ثلاث أيام دوزناها في جو مغربي 100% يعني ميم 1000% بين خوتنا المغاربة اللي جاونا من المغرب واللي تلاقينا بهم هنا مغاربة معنا في بلجيكا وفي أوروبا كاملة. Alors super, c'était très très bien passé au niveau service, au niveau organisation et tout, nickel, rien à dire, mashallah, même au niveau sécurité, mashallah. Bonjour Soufiane, bienvenue à Bruxelles, c'est votre première participation à ce salon, vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Bah écoutez, je m'appelle Benjine Soufiane et donc c'est ma première participation, comme vous dites si bien, donc à l'exposition du salon marocain sur Bruxelles. À la base, donc, on vient du Luxembourg, on a la maison berbère qui se trouve sur Luxembourg, où on a donc une restauration et aussi des ventes d'objets d'artisanaux à des prix démocratiques. On a l'intention de venir s'installer ici sur Bruxelles, donc c'est pour ça qu'on a profité de cette occasion-là pour un peu proposer tous les articles qu'on propose à des prix démocratiques. Quelle est votre particularité? Donc c'est des produits importés du Maroc, c'est l'artisanal que vous mettez en avant, et votre particularité à vous c'est quoi au juste? Bah écoutez, nous ce qu'on propose c'est-à-dire des articles de qualité venant directement du Maroc à des prix démocratiques, parce qu'on sait que bon, y a une forte communauté ici marocaine et arabe sur Bruxelles, et on aimerait justement faire profiter cette communauté et vendre donc des articles typiques du Maroc à des prix raisonnables. Et satisfait de cette participation? Et c'est ma première participation, je veux dire, ça reste une bonne expérience, je ne regrette pas. J'ai fait connaissance avec beaucoup de personnes, ce qui m'a permis de rencontrer aussi cette population de Bruxelles. Parce qu'à l'origine, je suis quand même originaire de Bruxelles, donc ça m'a fait plaisir de réavoir ce petit contact avec cette population bruxelloise. Monsieur Chelbad, vous organisez la 7e édition du Salon du Maroc à Bruxelles avec beaucoup de nouveautés? Tout à fait, donc cette 7e édition connaît des nouveautés dans le sens où on n'est plus un salon de l'immobilier marocain mais un salon du Maroc, avec la présence de l'office de tourisme, la présence de l'artisanat, la jeunesse et sport dont les ministres en charge étaient présents parmi nous. Donc on essaye plutôt de diversifier de manière à ce que ça soit un salon du Maroc. On fête le Maroc pendant 3 jours. Il y a eu un très beau défilé de mode, des mannequins qui sont arrivés, une styliste qui vient internationale, et voilà, donc on essaye de rendre au Maroc ce qui appartient au Maroc.
simplement dans la capitale de l'Europe qui est Bruxelles. L'année prochaine, il y aura encore plus de nouveautés ? Oui, Inch'Allah, on espère que cette nouvelle édition, cette nouvelle forme plutôt d'édition prendra le large et nous ramènera vraiment un Maroc beaucoup plus diversifié, beaucoup plus spécifique avec de l'économique, le social. On a beaucoup d'ambition, donc Inch'Allah, je crois que la 8e édition sera, on l'espère, meilleure que la 7e, sinon on ne la fera pas. En tout cas, ça a été un franc succès, vous êtes satisfait, il y a eu beaucoup de monde. Tout à fait, je suis satisfait. Je pense que de point de vue très franchement, de visiteurs, on est un peu moins satisfait parce qu'il y a eu moins de visiteurs. Mais ceci dit, est dû au beau temps. On en est ravis d'ailleurs, au brocante, à la période, les examens. On pensera à essayer de changer la date pour la prochaine fois, c'est certain. En tout cas, pendant 3 jours, le Maroc était avec nous et ça a réchauffé le cœur de beaucoup de gens. Tout à fait, mais c'était le but, c'était de réchauffer, de rappeler aux gens nos racines, nos diversités, nos richesses, se rencontrer, essayer de montrer les nouveautés du Maroc, montrer le Maroc que beaucoup de gens ne connaissent pas, mais connaissent, peut-être parce que simplement ils n'ont pas le temps d'aller voir, découvrir le sud, le Sahara, découvrir les spécificités du tourisme marocain, l'artisanat qui était très riche et qui nous a montré, donc comme je vous ai dit, le caftan. En fait, on a vu des spécificités du caftan, on essaiera de. On a vu qu'il y a beaucoup de gens qui ont demandé ça. Et donc, voilà, on remercie surtout beaucoup de nos partenaires qui ont été là et qui étaient au rendez-vous et qui essayaient de se battre pour essayer simplement de mettre le Maroc à l'honneur. Je peux citer l'artisanat, je peux citer notre sponsor, la Banque Chabi, qui a toujours été là. Je peux citer Jamil Afkir, qui était là, qui a fait le défilé. Pour la première fois, on a eu la rencontre du ministre de jeunesse et des sports qui s'est déplacé à Bruxelles. C'est la première fois qu'il a fait des rencontres avec les jeunes et les sportifs belgo-marocains. Et monsieur le ministre de l'artisanat Sirieux qui a fait le déplacement, qui est resté avec nous, qui a absolument tenu à rencontrer et d'avoir ce salon. Et aussi, et je profite de l'occasion de remercier le CCME qui était là, qui nous a aidés à, comme vous l'avez vu, une exposition magnifique sur la Tonge dans laquelle on a eu plus de 100 photos inédite sur Tanger, sur l'histoire de Tanger. Et donc je remercie tous ces gens qui ont cru en nous et j'espère être à la hauteur de leur confiance. Je peux en citer des amis qui prennent toujours une semaine de congé, qui viennent, c'est des hommes d'affaires qui viennent pour aider à cette édition. Donc je les remercie de cette tribune et je vous remercie aussi de vous être déplacés, de consacrer du temps à ce qu'on fait.